Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce premier numéro d'Économie. Au sommaire de ce magazine, ce mois-ci, une compagnie maritime régionale pour la Corse, quand et sous quelle forme décodage ? Dans un instant. L'hôtellerie traditionnelle est-elle menacée par le phénomène d'ubérisation du tourisme ? C'est le dossier de ce mois. Éclairage également sur cette question avec Jean-Marie Furt, enseignant-chercheur et directeur de l'Institut d'administration des entreprises à Corté. Il est justement à la tête de l'une des principales entreprises du secteur tourisme sur l'île. Jean Marquet, fondateur de Corsica Tour reviendra sur son parcours et nous donnera également sa vision pour l'avenir de ce secteur. La loi travail et ses dispositions pour les travailleurs saisonniers, ce sera l'info pratique avec Linda Gendre-Peretti. Et puis gérer un hôtel, créer une entreprise ou apprendre un métier, notre feuilleton nous fera plonger dans l'économie au quotidien. Mais pour commencer, voyons l'essentiel de l'actualité insulaire en cette rentrée, c'est le JT de l'Écho. La question de la précarité et de la pauvreté. Je dis la pauvreté parce que je crois que dire ce mot, y compris parce qu'il nous choque. Le choc, c'est ce triste record pour la Corse. Le taux de pauvreté le plus fort de France. Un insulaire sur cinq vit avec moins de 990 euros par mois. Gilles Siméon y annonce un plan contre la précarité débattu le 30 septembre à l'Assemblée de Corse. Ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Le rapport polémique. La Cour des comptes remet en cause certaines dispositions fiscales de la Corse. La TVA zéro sur les vins et la fiscalité tabac sont pointés du doigt. Le rapport provoque un déchaînement de commentaires sur Internet. Pas de conséquences immédiates, mais le rapport intervient en pleine discussion sur le statut fiscal de la collectivité unique. Difficile de croire au hasard. Le projet ambitieux de Jean-Christophe Angelini. En cette rentrée, le président de l'Agence du développement économique de la Corse veut un système d'aide plus efficace pour les entreprises, l'emploi et l'innovation. Aujourd'hui, la DEC s'est remise en mouvement de manière très dynamique, très fluide et très réactive au service de l'économie de chacune de nos entreprises et plus particulièrement des TPE, avec l'objectif clair de changer radicalement la physionomie économique de la Corse au cours des prochaines années et particulièrement au travers du vote du schéma développement économique qui interviendra à l'Assemblée avant la fin de l'année. 10 millions d'euros, c'est la somme que veut récolter Femugui pour son fonds d'investissement de proximité Souminadoui. Il s'agit de mobiliser l'épargne locale pour aider les PME insulaires. La souscription jusqu'à la fin de l'année donne droit à des baisses d'impôts. Le bâtiment tourne plutôt bien sur Ajaccio. 4200 nouveaux logements sont en cours, dont la moitié pour de l'habitat social. Le marché est porté par des taux d'intérêt au plus bas, mais pas seulement. Les prix continuent leur déflation, c'est-à-dire leur baisse, alors qu'avant, lorsque les taux d'intérêt baissaient, les prix augmentaient. Des parts de capital très convoitées, celles que détenait l'ex-SNCM au sein de la CITEC, la Société d'informatique et de télématique Corse, qui gère notamment les réservations de la compagnie maritime. La MCM Corsica Line et le repreneur de la compagnie restent naturellement intéressés, mais ces 35% de parts suscitent aussi l'intérêt de Pierre-Noël Luigi, le patron d'Oscaro.com. Les collectivités locales restent actionnaires majoritaires de la CITEC, mais les salariés s'interrogent. Autre fait marquant de ce mois de septembre, c'est donc la création d'une compagnie maritime régionale. Le principe a été voté par l'Assemblée de Corse le 7 septembre dernier. Vote historique pour les nationalistes. Mais à quoi pourrait ressembler cette compagnie ? Décodage. Et ce décodage, c'est en votre compagnie, Dominique Spinozzi. Bonsoir. Elle est évoquée depuis de nombreuses années. À quoi pourrait donc ressembler cette compagnie maritime régionale ? Alors, pour l'instant, c'est d'abord une structure juridique. Elle se fera sur le principe d'un partenariat public-privé à travers trois sociétés d'économie mixte, des SEM. La première sera une société d'investissement. Sa fonction, acheter les navires. La collectivité territoriale détiendra au moins 70% du capital de cette société. Les deux autres seront des CEMOP, des sociétés d'économie mixte à opération unique, un nouvel outil juridique créé par la France il y a 2 ans pour justement ce type de mission, leur rôle, l'exploitation des lignes de services publics entre la Corse et le continent. Mais alors Dominique, pour quelles raisons deux sociétés d'exploitation ? Alors, la première gérera les liaisons avec les ports principaux, Bastia et Ajaccio. La seconde CEMOP gérera les ports secondaires, Île-Rousse, Propriane et Porto Vecchio.
qui ont un trafic limité. Dans la première, le capital sera essentiellement public. Dans la seconde, là, inversion du capital. Le public sera majoritaire et le privé minoritaire. Alors Dominique, quand cette compagnie maritime régionale sera-t-elle opérationnelle ? Alors si le calendrier est respecté, normalement dans un an, à compter d'octobre 2017. D'ici là, les délégations de services publics pour une durée de 10 ans seront précisées par l'Assemblée de Corse. J'ajoute que l'achat de 2 navires de la Corsica Line et à l'ex-SNCM a déjà été entériné. Le Monte d'Or et le Paliaorba seront achetés pour un montant de 10 millions d'euros. Le prix fait déjà débat. Ces navires permettront de débuter l'exploitation de la compagnie régionale. Alors on reste toujours dans le domaine des transports. L'appétit vient-il en mangeant après le maritime? Le consortium MCM Corsica Linea serait très intéressé par l'aérien. Alors là, c'est une info économie. Ces chefs d'entreprise ont adressé un courrier aux dirigeants d'Air Corsica et dans lequel ils demandent de pouvoir entrer au sein du capital de la compagnie aérienne régionale. Comment est-ce possible? Alors tout simplement en récupérant les parts détenues par l'ex-SNCM, environ 5%. Alors trop peu hein, pour peser au sein de la compagnie aérienne, qui je vous le rappelle est détenue à 66% par la collectivité territoriale. Mais d'après plusieurs sources, ce consortium de chefs d'entreprise envisage d'acheter des parts d'autres actionnaires et s'impliquer ainsi un petit peu plus dans la compagnie régionale. Avec quel objectif ? Alors, trop tôt pour le savoir, mais d'après certaines sources, l'objectif serait peut-être une compagnie low cost sur le modèle Hop à côté d'Air France. Alors, le système est simple, mais rien ne dit que tout cela est possible. En tout cas, le sujet devrait être abordé lors du prochain conseil d'administration de la compagnie aérienne prévu la semaine prochaine, justement. Et précisément le 28 septembre. Merci pour cet éclairage et ce décodage, Dominique. Place maintenant au dossier de ce magazine en pleine saison touristique. Il est encore arrière saison touristique. Il est encore trop tôt pour donc faire un bilan. Toutes les données ne sont pas encore disponibles. Mais cette année encore, l'une des polémiques apportées sur la concurrence de certains sites internet qui proposent des locations de particulier à particulier. Vous les connaissez, c'est Airbnb, Abritel ou encore Home Holiday. C'est ce que l'on appelle l'ubérisation du tourisme. L'ubérisation, c'est en quelque sorte ce néologisme tiré de cette entreprise Uber, symbole du libéralisme pour les uns ou de l'économie collaborative pour les autres. Les professionnels, quant à eux, crient à la concurrence déloyale. L'ubérisation du tourisme menace-t-elle l'hôtellerie traditionnelle? C'est une enquête de Maya Gradiani et de Tariq Kaldi. Par avion ou bateau, 7,5 millions de passagers débarquent en Corse tous les ans depuis 2010. En tout, cela représente 35 millions de nuitées. Mais où dorment-ils ? 30% d'entre eux choisissent un hébergement marchand, camping, hôtel, gîte ou centre de vacances. Et les autres ? Eh bien, soit ils dorment chez eux ou chez des proches, soit comme de plus en plus de vacanciers dans le monde, ils louent le meublé d'un particulier. Maison ou appartement pour une semaine ou une nuit, le plus souvent ils ont trouvé l'annonce sur internet et en Corse, ils ont le choix. Plus de 10 000 annonces sur Abritel et Home Holidays, des centaines sur Airbnb, dont celle-ci. Vous avez logementier, 4 voyageurs, une chambre, 2 lits. Et là pour l'instant, donc j'ai 6 commentaires. Claire Daphné Salé est cuisinière à Ajaccio. Elle loue son appartement à la nuitée depuis avril pour améliorer sa qualité de vie. Les prix aussi entre 85 euros la nuitée hors juillet-août. Évidemment, l'offre et la demande font que les prix augmentent juillet-août. J'ai mon calendrier, donc mes réservations à venir. C'est du boulot, mais ça rapporte et elle en a besoin. De toute façon, c'est financier, évidemment, parce que je ne loue pas mon appartement pour le plaisir. Je veux dire, que quelqu'un dans ma chambre, j'en ai jamais rêvé. Hein. Donc, c'est évidemment pour subvenir à mes besoins et avoir une qualité de vie meilleure. En tout, elle aura encaissé plus de 5 000 euros, une somme qu'elle déclarera aux impôts et sur laquelle elle paiera la taxe de séjour. La taxe de séjour, j'en avais entendu parler, mais ce n'était pas encore au point. Maintenant, c'est prélevé directement sur le site. Donc comme ça, on est dans la légalité et c'est parfait. C'est pour ça que quand on est vu comme des pestiférés, je ne le comprends pas parce que c'est nouveau. Donc il va bien falloir vous y habituer. Elle,
Estelle a tellement l'habitude de louer qu'elle peut préparer un duplex en moins d'une heure. Ouais, ça m'est arrivé une ou deux fois de rentrer dans l'appartement presque en pleurant. Mais si à chaque fois je fais appel à une femme de ménage, c'est moins rentable pour moi. On vit tous un peu différemment. Il y a des gens qui ont laissé l'appartement une quantité astronomique de nourriture par terre. Si, manger et tout ce qui leur déplaisait et jeter par terre. Le but, c'est de louer l'appartement prêt à l'emploi, en fait. Il faut qu'ils se sentent comme s'ils arrivaient dans un appartement qui vit, sans pour autant que ça soit chez quelqu'un. Une vraie pro. Morgane Pachon y loue deux appartements dans la citadelle de Bastia. Elle a commencé par louer le sien, puis elle s'est prise au jeu. Du coup, cette année, elle a créé sa société. Les plateformes Internet, elle les a toutes testées. Abritel OmniDays, c'est parfait. Vous faites un taux de remplissage de 80% et vous ont encaissé que 200 euros dans l'année. C'est tout bénef. Sauf qu'il faut le faire, le taux de remplissage. Moi, honnêtement, m'ont apporté pas des masses de clients. Airbnb, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire que la com, elle est raisonnable. Parce qu'ils prennent une partie des frais aux propriétaires et une partie aux voyageurs. Booking, la commission est plus importante. On a, à Bastia, par exemple, ils m'appliquent exactement la même commission que n'importe quel autre hôtel de la ville. Donc c'est beaucoup plus important. En même temps, il y a une visibilité énorme. Les clients du jour ont loué par Airbnb. Andrea et Dylan, la mère et le fils, sont américains, de Portland. Passés par Paris, puis Nice, ils font escale en Corse. Pour l'accueil et la visite, c'est le mari de Morgane qui s'y colle. C'est chez vous maintenant, pour 3 jours. Une maison pas tout à fait aux dimensions d'un basketteur américain. Attention à votre tête, les Corses sont plus petits. Mais les clients ont l'air ravis de leur nouveau chez eux. L'appartement est vraiment sympa, c'est neuf, tout est propre. Je m'étais déjà renseigné pour voyager avec Airbnb. J'ai découvert ça il y a 6 mois, donc c'est la première fois que je m'en sers. Et je compte bien l'utiliser encore. Alors on va avoir pas mal de clientèle étrangère, beaucoup américaine, parce qu'eux, ils ont plus l'habitude d'utiliser ça. Et l'autre type de clientèle, ça va être des gens qui flairent la bonne affaire. Qui ont en général un petit budget et qui veulent tout pour pas grand-chose. Pendant que son mari joue le tour opérateur, elle s'occupe des tâches administratives. Car pour louer son appartement à l'année, elle s'est déclarée en SARL. Taxes et charges professionnelles diverses, taxes de séjour, elle les paie volontiers et ne craint pas la concurrence. Il y a des gens pour le camping, il y a des gens pour les hôtels 4 étoiles, il y a des gens pour les petits hôtels et puis il y a des gens pour les appartements. Donc je pense qu'il n'y a pas... Si tout est bien fait, il n'y a pas réellement d'opposition. Concurrent direct, les Gîtes de France en Corse, ils sont 850 propriétaires pour près de 1400 logements. Leur credo, vous accueillir chez eux. Et ça marche plutôt bien. L'année dernière, la Fédération des Gîtes de France de Corse affichait un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros. Et elle pourrait faire encore mieux cette année puisque leurs indicateurs sont en hausse depuis janvier. Au beau milieu de l'été, en plein week-end de chasse et croisée, la quasi-totalité de leur parc est occupée. 596 remises de clés, l'exemple ici, dans le Nébio. Millé. Bonjour Lolo, comment vas-tu ma puce? Ouya. T'es toujours aussi belle, toi, dis donc. T'es toujours aussi belle, mais t'as grandi un petit peu. 4 ans que cette famille bretonne revient dans ce gîte. Jean-Louis Holmet est restaurateur à patrimoine. Depuis 4 ans, il est inscrit au Gîte de France. Une façon pour lui de privilégier le rapport humain. Vous savez, si vraiment je voudrais gagner plus d'argent, j'arrête les gîtes, hein. Je loue ça à l'année. Hein. On me demande, comment il y a une grosse demande de location à l'année, comme on dit, donc je gagne plus d'argent à louer ça au mois toute l'année. Et bon, mais j'aurais pas le même rapport avec les gens. Et c'est bien pour ça qu'Aude, Yann et Loïsa louent un gîte pour leurs vacances. Maman, tu l'as mis à l'envers. Gîte de France, c'est quand même une garantie, quoi. On est sûr de trouver un appartement qui correspond à certains critères. Et on choisit la formule gîte. Parce qu'on est sûr de rencontrer des gens qui habitent la région. Dans la région de patrimoine, c'est bien connu, on ne trinque pas qu'à l'eau de source. L'accueil chez Jean-Louis, c'est aussi les petits plus. Dans le frigo pour les grands et dans le congélateur pour la plus jeune. Ah oui. Mais pour le propriétaire, la formule a aussi d'autres avantages. Quand vos contrats est terminé, c'est tout simple. Hein. La Gîte de France vous envoie un récapitulatif complet à 100% de ce que vous avez touché. Donc comme chez nous, tout passe par Gîte de France à 100% d'encaissement. Donc on fait une déclaration à 100% de ce qu'on a fait comme chiffre d'affaires par rapport au gîte.
en tant que loueur, mais surtout parce qu'il est professionnel de la restauration. Il s'inquiète de l'explosion des locations de meublés et du manque de contrôle. Dans les villages, chez nous aussi, il y a B&B et ça devient une épidémie. Ça. Je reconnais que les clients sont avantagés parce qu'ils ont touché, comme on dit, une petite occasion pas chère du tout. Mais le système, il entend de casser, comme on dit, les professionnels. Et ceux qui dénoncent le plus une concurrence déloyale, ce sont les syndicats hôteliers. Car comme les hôtels, les loueurs non professionnels proposent désormais leur logement à la nuitée. La tendance a de quoi inquiéter un secteur déjà en crise. La Corse compte 480 établissements hôteliers et malgré la récente reprise, avec une augmentation de 5% des nuitées entre 2014 et 2015, les hôteliers de l'île ont du mal à faire le plein. L'année dernière, au plus fort de la saison, leur taux d'occupation n'atteignait que 80%. Alors comment les hôteliers insulaires font-ils face à la concurrence des loueurs non professionnels? Sont-ils fatalistes ou déterminés à se battre? C'est ce que nous allons voir dans cet établissement de Loujane. Le rapport qualité-prix, il veut dire quoi aujourd'hui? On ne sait plus. Agathe Albertini est hôtelière à Loujane. 45 ans de métier en famille et des années à la tête d'un syndicat hôtelier a dénoncé la multiplication des meublés. Elle n'en veut pas aux loueurs, mais aux élus. Alors cette chambre a été rénovée en 2009. Coût 10 000 euros. Et comme ça, elle en a rénové 16. Tout ça pour les louer moins cher qu'avant. Alors Mégane, oui, le prix de nos chambres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a la classique à 99 euros et la chambre confort à 104 euros. 104 euros, oui. Voilà. Nous avons aujourd'hui une clientèle exigeante, donc il faudrait investir. Mais nous avons des prix qui baissent de plus en plus, que ce soit en hôtellerie ou en restauration. Et de ce fait, nos marges s'amenuisent. Et à partir du moment où vous n'avez plus de marge, eh bien vous ne pouvez plus investir. Et elle en sait quelque chose. Dans ce 3 étoiles, on n'a pas lésiné sur les investissements. Piscine, spa, salle de réception, la famille a misé sur la diversification pour faire vivre l'établissement. Et pour tous ces services rendus aux clients, elle paie. Maintenance, contrôle d'hygiène, redevance télé, droits SACEM, de nombreuses autres taxes. Et bien sûr, les charges salariales et patronales pour sa vingtaine d'employés. Son chiffre d'affaires en prend un coup. Je n'en veux pas aux loueurs. J'en veux à l'État d'abord, qui a laissé filer tout ça, et aux élus locaux. Vous savez qu'en Amérique, eux, ils ont réagi déjà. Et il est impossible aujourd'hui à un loueur de louer à la nuit, parce que finalement, louer à la semaine encore, bon, vous louez à la semaine, on ne peut rien dire. Ce qu'il faut craindre aujourd'hui, c'est que nous ne tombions pas dans un tourisme résidentiel. Puisque aujourd'hui, nous, ici, en résidence secondaire, c'est à peu près du 35%. D'ailleurs, allez à Porto-Vecchio l'hiver, au mois de décembre. C'est sinistre. Les professionnels du secteur sont tous d'accord. Il faut réglementer et contrôler les locations de meublés de tourisme non professionnels. Ou plutôt, réglementer et contrôler plus, car des règles existent déjà. Vous êtes propriétaire et vous louez votre logement à des touristes? Suivez le mode d'emploi. Dans tous les cas, vous devez vous déclarer en mairie et vous acquitter de la taxe de séjour. C'est obligatoire. Ensuite, dès que vous percevez plus de 760 euros par an, vous devez le déclarer comme revenu aux impôts. Vous aurez droit à un abattement de 50 à 70% sur cette somme. Les règles sont donc assez souples, mais ça pourrait changer. Le projet de loi sur le numérique prévoit de durcir la réglementation, notamment sur la collecte de la taxe de séjour. Et d'ailleurs, certains ont anticipé le vote de la loi. Comme Airbnb, la plateforme a annoncé qu'elle allait collecter et reverser directement la taxe de séjour dans 18 communes, dont une ville en Corse, Ajaccio. Nous savons qu'il y a à peu près un potentiel de 600 à 700 logements sur la commune d'Ajaccio. Pierre Pouliez y préside l'office de tourisme d'Ajaccio. Son credo, il faut rendre le marché des locations de meublés équitable. Je vous laisse faire le calcul, ça pourrait être plus de 100 000 euros qui pourraient revenir dans l'escarcelle de l'office de tourisme. Du coup, il traque les loueurs non déclarés et négocie avec les plateformes. Mission accomplie avec Airbnb qui collecte la taxe depuis le 1er août. Pour les autres, il assure que ça suivra, d'autant qu'Ajaccio est classée zone tendue sur le logement. C'est-à-dire que nous avons des pénuries de logements sociaux, mais également le parc locatif privé s'appauvrit. Et en fait, on est dans une situation où le nombre de demandeurs de logements est devenu tellement exponentiel qu'on n'arrive plus à répondre à la demande. Restent les impôts non déclarés. Cette somme peut être estimée à plusieurs millions d'euros, voire plusieurs dizaines de millions d'euros.
Jean-Pierre Battestigne est contrôleur des finances publiques à Bastia. Pour lui, les services fiscaux n'ont pas les moyens de contrôler les déclarations. Il n'y a plus de services sur place et le peu d'agents qui restent dans le département, puisqu'on a perdu une centaine d'agents en quelques années, n'ont pas les moyens de faire les investigations nécessaires pour traquer cette fraude qui s'ajoute bien sûr à d'autres fraudes importantes à la TVA et aux bénéfices industriels et commerciaux ou aux professions libérales. La Corse, c'est vrai, c'est un paradis fiscal dans son ensemble. Surtaxer les résidences secondaires, limiter le nombre de chambres louées par logement ou encadrer strictement les durées de location, délivrer des permis de louer ou encore instaurer de lourdes sanctions financières en cas d'infraction, autant de mesures expérimentées aux quatre coins de l'Europe que certains voudraient voir instaurées en Corse, car tout le monde est d'accord sur un point, le marché des locations de meublés n'est pas prêt de s'essouffler. Et effectivement, un indicateur supplémentaire de l'ampleur que pourrait prendre le phénomène d'ubérisation. Le montant estimé, selon une enquête publiée la semaine dernière, du chiffre global de cette ubérisation serait de 28 milliards d'euros actuellement en Europe. Il pourrait atteindre 570 milliards d'euros d'ici à 2025, soit 20 fois plus. Alors, quels sont les enjeux de ces évolutions du tourisme ? J'accueille Jean-Marie Furt, enseignant-chercheur, et vous êtes également le directeur de l'Institut d'administration des entreprises à Corté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de le voir depuis plusieurs années. Maintenant, les hôteliers protestent contre cette concurrence déloyale des locations de particulier à particulier via des sites Internet. Sait-on quelle est l'ampleur du phénomène en Corse ? C'est un phénomène important et c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années avec la numérisation de l'économie, comme le montre très bien votre reportage. Mais on voit aussi, au travers ces quelques images, que le phénomène est très diversifié parce qu'on a différentes catégories de loueurs. Au départ, on ne parlait d'ubérisation que véritablement dans les centres urbains, pour la location de tout ou partie d'une résidence principale. Et maintenant, le phénomène est de plus en plus étendu aux résidences secondaires, voire à des personnes qui achètent ou multiplient les achats de résidences secondaires en jouant sur la défiscalisation, par exemple, ou sur des aides diverses, ou sur les taux d'intérêt relativement bas, comme on a pu le voir. Et bien évidemment, la concurrence s'accroît. Alors, est-ce qu'on sait précisément qui sont ces vacanciers qui font appel à l'ubérisation ? Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau type de clientèle ou sinon c'est une évolution du mode de consommation ? Ah non, je dirais là encore qu'on surfe sur l'évolution du tourisme et l'évolution de la demande. Depuis des années, on dit qu'il faut promouvoir un tourisme différent, que le tourisme, c'est aller à la rencontre de l'autre, voir comment vivent les habitants. Donc on est tout à fait dans ce nouveau phénomène, avec bien évidemment des profils qui sont en règle générale relativement jeunes, numérisation oblige, des urbains, voire des bobos, et un tourisme un peu familial. Vous disiez que ce n'est pas forcément un phénomène nouveau. Depuis 30 ans, la Corse offre un hébergement touristique qui est fondé en grande partie sur des locations de particulier à particulier. C'est plus complexe que ça, mais effectivement, c'est l'accélération du phénomène est due à la numérisation, on vient de le dire, bien évidemment, à l'apparition de plateformes internationales, etc. Donc ça a dopé un phénomène existant et qui reposait en grande partie sur la structuration de l'offre. L'offre corse ou l'offre française, les chiffres ne sont pas les mêmes, mais on est à peu près sur le même type de structuration, c'est-à-dire une offre non marchande très importante. Hein, vous avez pratiquement dit, 70%. Pratiquement 70%. Et encore, c'est les dernières études montrent que l'on va jusqu'à 75%. Alors, que peuvent faire les professionnels du secteur face à ce phénomène ? Ah ben c'est pas évident, hein. Je dirais même que c'est très difficile. Hein. D'un côté, bien évidemment, votre reportage l'a encore montré, il y a un cadre réglementaire qu'il faudrait avoir les moyens d'appliquer davantage. Et bien évidemment, ça c'est le. Mais ce n'est pas facile. Donc c'est le premier moyen de régulation et les professionnels ne sont pas aux manettes de ce côté-là. Et d'un autre côté, on peut dire qu'on a des professionnels qui sont des entrepreneurs dont les dernières études de l'INSEE montrent quand même que l'économie corse va relativement bien malgré les différentes crises, malgré une certaine paupérisation. L'INSEE nous parle d'un taux de rentabilité pour l'hôtellerie moyenne gamme, donc 3 étoiles, qui est relativement intéressante, supérieure à la rentabilité continentale. Bon, ça peut paraître surprenant, mais c'est en tout cas, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, ça fait partie des paradoxes. Comment se positionne aujourd'hui la destination Corse sur la planète tourisme en Méditerranée ?
Bon, on va dire que c'est une offre évolutive, c'est une offre particulière ancrée véritablement encore sur le capital naturel de la Corse, hein, la protection, l'environnement, la proximité de la mer et de la montagne. C'est une offre aussi de proximité, hein, à proximité, on l'a souvent dit, de l'ensemble des capitales européennes. Mais on reste quand même sur une destination qui est malheureusement toujours à construire, au niveau de l'offre, bien évidemment, et au niveau de la recherche de certaines clientèles, au niveau de l'accessibilité. Et bien évidemment, c'est une offre qui a du mal à réagir aux offres concurrentes qui apparaissent un peu partout en Méditerranée, les anciens pays de l'Est, la Croatie, et la Bosnie-Herzégovine, demain l'Albanie, et ainsi de suite. Alors, on évoquait tout à l'heure la capacité et les difficultés pour les chefs d'entreprise du secteur tourisme à réagir face au phénomène dit d'ubérisation. Que peuvent les politiques, les élus ? Alors, il y a divers moyens d'action, hein. Donc si on parle de nos élus au niveau national, bien évidemment, c'est se donner les moyens d'appliquer ce cadre réglementaire. Et ensuite, comme le montrait aussi votre reportage, hein, sans en dire plus, malgré tout, il y a de part et d'autre en Europe différents essais de contrôler cette masse. Bah, – C'est le cas à Berlin, en Espagne, à Barcelone, par exemple. C'est le cas dans les grands centres urbains, effectivement, hein, qui ont fait exploser ce phénomène, parce qu'on est sur un très grand nombre de touristes. Là, on parle de millions de touristes. Hein, – On a même vu Barcelone qui est saturée de tourisme, avec même un rejet aujourd'hui des touristes par la population locale. – Voilà, et ça aussi, c'est vraiment c'est un phénomène important, hein, c'est-à-dire que c'est la population locale qui rejette les touristes. Alors qu'en Corse, on a un autre phénomène, hein, c'est les professionnels qui s'interrogent et qui, d'une certaine manière, tirent la sonnette d'alarme. Que peuvent-ils faire ? Je dirais que pour certains, c'est adapter l'offre. Peut-être aussi, hein, on est dans une économie ouverte, libérale, donc c'est aux entrepreneurs, malgré tout, quelque part, de chercher les moyens de coopérer, d'innover, de se développer. Peut-être à un moment donné, a-t-on pris trop de retard et bien évidemment, il va être quand même difficile de réagir. Donc on peut tirer la sonnette d'alarme, mais il est temps de se mettre en marche. – Mais les élus peuvent-ils faire quelque chose, puisqu'on a vu au niveau national, visiblement, les mesures peinent à se mettre en place. On parle à peine maintenant de prélever une taxe de séjour. Est-ce qu'il faut contraindre davantage les loueurs particuliers, leur interdire la possibilité de louer à la nuit et seulement à la semaine ? Si on rentre dans un cadre réglementaire aussi pointu, ça va être difficile à appliquer. Donc on aura un cadre réglementaire au travers duquel il n'y aura pas de sanctions, donc complètement inutile. L'adaptation est un élément important, bien évidemment. Et l'évolution et l'adaptation de l'offre d'une manière globale, de l'offre corse, hein, dans toutes ses dimensions, en incluant le volet transport, le volet hébergement et le volet activité, il me semble que c'est un élément important au niveau de l'action. Puisqu'on parlait des politiques publiques, est-ce que certaines mesures par le passé ont pu favoriser l'émergence de ce phénomène ou l'accélération de ce phénomène d'ubérisation ? Très certainement. Hein. Au niveau des politiques publiques locales, bon, dans les années 2000, à partir des années 2000, hein, dans les deux anciens contrats de plan, hein, l'idée générale était de faire monter en gamme et d'étendre l'offre corse. Il est bien évident que la multiplication des meublés, par exemple, ou la multiplication de certains types de locations sauvages ou autres, hein, comment dire, à participer de cette structuration de la politique publique. Merci Jean-Marie Fut pour cet éclairage donc sur ce phénomène d'ubérisation. Et puis toujours dans le secteur tourisme face à la concurrence, comment s'adaptent les professionnels ? On vient d'en parler. Regard sur l'une des entreprises corses les plus importantes du secteur, Corsica Tour, un tour opérateur basé à Porto-Vec qui fête ses 20 ans cette année. Premier hébergeur de Corse, du camping à l'hôtel en passant par la villa. Ce groupe a été fondé par Jean Marquet, qui sera mon invité dans un instant. Quelles sont les clés de la réussite ? Comment le groupe a-t-il su s'adapter et se développer ? Découverte signée Emilia Rodeau et Philippe Villaret. Bonjour, bienvenue. Je vous laisse récupérer vos bagages et vous rejoignez au comptoir Marina Viva. Il débarque d'Angoulême ou de Châteauroux pour un séjour clé en main dans un hôtel-club du golfe d'Ajaccio. Vol charter, car hébergement, derrière ces prestations, il y a plusieurs sociétés, mais un seul groupe, son fondateur. C'est cet homme et il a tout prévu. Au démarrage, on fait le billet d'avion ou de bateau, à l'arrivée à l'aéroport ou au port, un autocar. Derrière l'autocar, il y a les repas, on a des restaurants. Derrière les restaurants, il faut dormir, des hôtels. On complète le tout avec une station-service pour faire les pleins.
Maîtriser la chaîne touristique, voilà le credo du groupe Aitori. La stratégie est payante. Ces 25 sociétés ont produit 80 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Son PDG se voyait pilote de chasse ou de Formule 1. À la place, ce normalien a fait fructifier la petite entreprise familiale d'autocars. Ma famille a commencé par l'épicerie et la distribution dans les villages et les endroits les plus reculés. On faisait les transports, donc mon père avait un autocar, et puis deux. Et les clients disaient, bon, vous êtes bien gentils, vous nous proposez des autocars, mais on n'arrive pas à trouver des billets de bateau. Alors mon père s'est dit, il faut faire une agence de voyage. Les clients vous disent, bon, bien gentil, vous avez les autocars, vous avez l'agence de voyage, mais on mange où et on dort où? Et c'est là, moi qui prends un peu la suite et qui commence à faire l'hôtellerie. Le groupe possède aujourd'hui 9 hôtels et résidences, de 1 à 4 étoiles. Ces 3000 lits en font le premier hébergeur de l'île. À la tête de ce camping tranquille en bord de mer, il y a Virginie. Excusez-moi. Ça doit être Booking qui m'appelle pour avoir du stock. L'affaire reste en famille. Virginie est la cadette du patron. Mais pour devenir directrice, la jeune femme a fait son chemin dans l'entreprise. J'ai commencé comme femme de ménage, puis réceptionniste. Et voilà, après, je me suis intéressée aux réservations, à la gestion du personnel, tout ça. Et travailler en famille, ça vous plaît? Oui. Au rang des 400 salariés du groupe, Virginie compte aussi sa sœur. À 26 ans, Kelly dirige le Roi Théodore, hôtel 4 étoiles au cœur de Porto Vecchio. Mon père me fait confiance. C'était pas facile au début pour lui aussi de lâcher prise, on va dire, et de me faire confiance totalement. Après, on est bien entouré, on a pas mal d'hôtels dans le groupe. Il y a Benoît du Marina Vive qui m'aide beaucoup, Claudine du Campo d'Alor. Voilà, je suis quand même encadrée, on va dire, mon père également. Donc on m'aide à me former tous les jours. Entre deux coups de fil, pour gérer son club de foot, le Tour FC, son père reste quand même son meilleur conseiller. Là, on tourne à combien d'employés en tout? Ici à l'hôtel. 45 et 50. 50. Un problème de recrutement et c'est vers lui que se tournent sa fille et son gendre. 10, ça fait 20%, 25% et 75% de personnes qui viennent de l'extérieur. Pour inverser cette tendance, l'homme d'affaires a son idée. Il faut qu'on fasse aussi cette école hôtelière de bon niveau pour qu'on n'ait pas à chercher à droite et à gauche, mais à en trouver ici. Former son personnel est encore une façon de ne rien laisser au hasard. En 40 ans, la technique Aitori a fait ses preuves, mais l'édifice reste fragile. Vous pouvez tout perdre d'un coup avec des vols qui ne marchent pas et que vous payez d'avance. Des brochures qui vous coûtent cher, qui marchent pas. Et nous avons des marges qui sont inférieures à 0,15%. Je ne parle pas de 15%, hein, je parle de 0,1%. Hein. Donc il faut faire des volumes, c'est pas facile. La partie commerciale moteur du groupe revient à Corsica Tour. C'est un départ de tour à 13h15, arrivée Figari 15h. Le tour opérateur qui fête ses 20 ans a clôturé 2015 avec un chiffre d'affaires en hausse et un portefeuille de 20 000 clients. Nous, on est aujourd'hui dans le côté où vraiment on veut être au plus près du client pour pouvoir être un petit peu dans cette mondialisation aussi, perçu comme le spécialiste de la destination. Notre but, c'est de pouvoir, sur cette gestion de la relation client, aujourd'hui personnaliser au maximum et identifier leurs besoins en amont pour pouvoir être, au moment où ils auront décidé en tout cas, présent sur la toile et leur proposer nos différents services. Ces prestations personnalisées profiteront surtout aux plus fortunés. Corsica Tour investit la niche du luxe avec une nouvelle offre de villa, les pieds dans l'eau. À l'avenir, un hôtel 5 étoiles et deux centres de bien-être viendront enrichir son catalogue. Alors comment s'est bâti ce groupe et quelle vision porte ce chef d'entreprise sur l'un des secteurs clés de l'économie insulaire? Jean-Marc Aitori est notre invité, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, j'ai juste envie de vous poser une question concernant votre parcours. Vous étiez normalien, comment êtes-vous tombé dans le tourisme et comment avez-vous construit ce groupe touristique? Bien écoutez, je suis tombé mais sans me faire mal.
Ce n'était pas du tout ma vocation, que ce soit celle de l'enseignement ou que ce soit celle du tourisme. Comme vous l'avez dit justement dans le reportage, ma passion première, c'était l'aviation. Ma passion seconde, c'était la compétition automobile. Qu'est-ce qui est venu ensuite? C'est l'esprit de conquête dans le tourisme, dans l'entreprise? Écoutez, pour assouvir la passion de l'automobile qui était coûteuse, il fallait faire quelques affaires et gagner quelque argent. Donc j'ai commencé à faire quelques affaires. Et puis les hasards de la vie ont fait que mon père est décédé un peu prématurément. Et j'ai été obligé, mais ce n'est pas péjoratif, de continuer tout ce qui avait été entrepris. Mais ensuite, comment, en partant petit, d'une certaine façon, vous avez réussi à constituer aujourd'hui l'une des principales entreprises, même le premier hébergeur de Corse? Bien écoutez, c'était une nécessité d'avoir un groupe intégré verticalement. Comme je le dis dans le reportage, les clients ont besoin à la fois de venir en avion, d'être transportés en autocar, de déjeuner à midi, de dormir le soir, de faire des excursions. Et pour être compétitif, il fallait maîtriser tous les éléments de ce paquet. La maîtrise de la chaîne, justement, c'est la clé pour résister et pouvoir s'adapter au fil des années depuis 1996? C'est une des clés. La deuxième clé, c'est le travail, encore le travail, toujours le travail. Alors, vous vendez la Corse et vous montez des produits touristiques. Que viennent chercher les touristes en Corse? Ah, selon moi, les touristes viennent chercher en Corse la mer, le soleil, bien sûr pour certains, une identité que beaucoup nous envient, mais je pense surtout au balnéaire. C'est-à-dire que donc, en tant que chef d'entreprise, il faut s'adapter à la demande et non pas imposer une offre? Je pense que ce n'est pas le thermomètre qui fait monter la température, c'est à nous de nous adapter aux demandes, sinon les gens iront chercher ailleurs ce que nous ne leur proposons pas. Alors on entend souvent parler de la difficulté des transports pour acheminer justement des touristes sur l'île. Pour vous, quelles sont les principales difficultés, les principaux freins? Le prix. Vous avez des billets Paris-La Corse à 900 euros au mois d'août. Le prix du billet qui ailleurs représente 25% d'un paquet, en Corse c'est de 50%. Ah, sur des liaisons régulières, vous avez aussi des offres qui sont à des prix beaucoup plus abordables. Oh, la publicité vous dit que vous avez des billets avec les compagnies low cost à 29 ou 30 euros. Mais il y en a 3, 4, 5. Sinon, tous les billets sont quand même beaucoup, beaucoup plus chers. Ça, c'est de la publicité. Comment faire pour réduire justement donc ces tarifs et permettre au plus grand nombre de venir plus facilement en Corse, selon vous ? Aïe, 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 si je le savais, d'abord je ne vous le dirais pas parce que tout le monde ferait la même chose. Non, toutes les plaisanteries mises à part, il faut maîtriser le transport parce qu'il n'y a pas de tourisme sans transport. Et nous avons vu que le transport maritime pour lequel vous avez fait un petit reportage, pendant 40 ans, ça a été une catastrophe. Ça a donné de la Corse une image déplorable. Il convient maintenant de rétablir cette image. Et sur les Baléares, vous avez 90% de touristes qui viennent en avion. Il faut inverser ça aussi sur la Corse. Mais pour cela, il faut par exemple que notre compagnie régionale puisse faire un peu de low cost lui-même et des destinations européennes plus que du bord à bord et du Paris. On entend des chefs d'entreprise insulaires qui, après le maritime, s'intéressent peut-être, on va rester au conditionnel, à l'aérien. Vous pensez que c'est une voie à explorer pour les années qui viennent ? Écoutez, je crois que le plus grand patron d'avion au monde, qui est une compagnie irlandaise, disait que pour devenir millionnaire, il fallait d'abord être milliardaire, ensuite acheter une compagnie aérienne et on redevenait millionnaire. Donc c'est un domaine très très risqué et je pense que c'est une question de métier, à chacun son métier. Et donc ça me paraît vraiment très difficile de faire des affaires. L'ubérisation du tourisme, on l'a évoqué il y a un instant, est-ce que cela vous inquiète ? Ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'ubérisation, c'est 4,5 millions d'emplois qui vont disparaître. La Corse n'est pas du tout préparée à tout ça. Pour moi, et ce n'est pas un propos politique, l'ubérisation, c'est un peu l'avènement du communisme au niveau économique, au profit du capitalisme. – C'est quand même donc un peu paradoxal pour le chef d'entreprise que vous êtes. A priori, vous êtes plutôt libéral. Oui. L'ubérisation, c'est quand même une forme de libéralisation. – Oui, mais c'est une libéralisation sauvage. Et comment voulez-vous faire? On vous demande de battre Usain Bolt en vous donnant un sac à dos de 20 kilos en plus. On disait tout à l'heure, j'entendais qu'un fonctionnaire des impôts disait que la Corse était un paradis fiscal.
Oui, un paradis fiscal pour tous ceux qui ne payent pas leurs impôts, pour tous ceux qui bénéficient d'ubérisation. Mais c'est un enfer fiscal pour toutes les sociétés comme nous qui payons nos impôts, qui sommes déclarés, pour tous les hôteliers. Voilà, oui, il y a une partie de paradis fiscal et oui, il y a un enfer fiscal. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que les pouvoirs politiques mettent en place une réglementation beaucoup plus stricte, en sachant déjà que l'Union européenne a déjà émis des réserves sur les possibilités de réglementer ouais. Pas trop loin en tout cas. Écoutez, savez-vous que c'est la France qui est en tête avec l'Angleterre en termes de nouvelles sociétés, de start-up ? Ok ? C'est la France qui est en tête. Pourquoi ? Parce que la réglementation est très très favorable. Et c'est quand même un comble, ce n'est pas là non plus un propos politique, que ça soit sous un gouvernement socialiste, qu'on connaisse l'ubérisation à outrance. Et quand je vois que le président Hollande visite tous les mois une société d'ubérisation comme Le Bon Coin ou Vacances Privées et tout. Mais vous travaillez vous aussi pourtant avec des sites comme Booking par exemple. C'est une obligation aujourd'hui ouais. pour vous pour pouvoir rentabiliser ouais. le plus possible votre parc ? C'est une obligation. Savez-vous combien Booking dépense par jour pour l'achat de mots-clés ? 1 million d'euros par jour. 1,5 milliard de budget publicitaire. Comment voulez-vous faire ? On n'a pas les moyens. Et on n'aura pas les moyens. Je suis très inquiet pour la Corse, pour les mois et les années à venir. – L'avenir de Corsica Tour, ce sera en famille ? On a vu que vos oui. filles étaient déjà aux commandes de oui. plusieurs structures. Oui. C'est comme ça que vous le voyez ? J'étais très inquiet, je le suis beaucoup moins au vu des résultats et de la façon dont mes trois filles se débrouillent. C'est une affaire de famille et j'espère et je compte que justement les Corses se réapproprieront un peu comme ils se réapproprient en ce moment les bateaux, l'économie corse, car nous en avons besoin. – Allez, rapidement, d'un mot, vous êtes aussi le président d'un club de football, le club de Tours. C'est quoi le foot pour vous ? Ouh, c'est encore plus compliqué que l'ubérisation, encore plus dangereux. Et c'est à comparer un peu à la politique, c'est une histoire de fou. Merci Jean-Marc Ettori d'avoir accepté notre invitation pour ce premier numéro d'Économie. Et puis dans le secteur tourisme, l'une des questions, on l'a évoqué tout à l'heure dans notre reportage, l'une des questions concerne le recrutement et la formation des saisonniers. Un quart seulement d'entre eux travaillent dans la même entreprise d'une année sur l'autre. Existe-t-il un moyen de limiter la précarité de ces travailleurs saisonniers ? C'est la question infopratique. Et l'info pratique, chaque mois, ce sera en votre compagnie, Lina Jean-Perretti. Chaque mois, vous nous donnerez donc des clés, des repères, et vous nous direz aussi comment les chefs d'entreprise et les salariés pourront avoir des informations complémentaires. Et tout d'abord, de quoi parle-t-on un saisonnier ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, la définition est très récente, elle vient juste d'être intégrée au Code du travail. Le contrat saisonnier est un emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction des rythmes des saisons ou des modes de vie collectifs. Chez nous, d'avril à septembre, c'est le tourisme. En ce moment, c'est l'agriculture. Autre précision, l'activité saisonnière ne doit pas exister toute l'année et ne connaître qu'un simple pic d'activité à un moment donné. Alors, qu'est-ce qui différencie un CDD saisonnier d'un CDD classique ? On a trois principales différences. La première, c'est que contrairement au CDD classique, le saisonnier n'a pas d'indemnité de précarité en fin de contrat. La deuxième, c'est que même si chaque année il revient dans la même entreprise, sur le même poste, il ne pourra jamais prétendre à une titularisation, à être embauché de façon définitive. Et enfin, la durée légale du travail reste de 35 heures, mais elle est beaucoup plus facilement aménageable pour le contrat saisonnier. Alors, dans ces conditions, comment peut-on imaginer, pérenniser, sécuriser en quelque sorte le travailleur saisonnier ? Alors, c'est l'une des questions à laquelle la loi travail a essayé de répondre. Le texte adopté cet été propose aux employeurs de signer des accords de branche pour généraliser la reconduction des contrats saisonniers. Ces accords pourront être territoriaux. Cet accord permettra aux saisonniers de bénéficier d'avantages liés à l'ancienneté dans l'entreprise, par exemple des primes ou des hausses de salaire. En cas d'absence d'accord de branche, il est prévu qu'à titre expérimental, les employeurs pourraient proposer des contrats à durée indéterminée, intermittents. C'est encore très flou, il manque beaucoup de décrets d'application. Il y a 127 mesures dans la loi travail, donc ce n'est pas encore terminé. Et on l'a vu la semaine dernière, les organisations syndicales ont décidé de se battre pied à pied contre plusieurs de ces décrets. En attendant, existe-t-il déjà des dispositifs pour sécuriser les saisonniers ? Alors oui, déjà dans un contrat saisonnier, on peut prévoir une clause de reconduction. Elle permet aux saisonniers d'être prioritaires sur l'emploi l'année suivante
mais seulement s'il veut revenir dans la même entreprise. Ensuite, la clause de reconduction permet à l'employeur de proposer au saisonnier un contrat hors saison, un CDD classique, qui peut permettre d'accéder à une formation prévue dans le plan de formation de l'entreprise. Mais là, il faut que l'entreprise reste ouverte toute l'année. Mais Linda, il existe aussi déjà des moyens de se former pour ces travailleurs. Bien entendu. D'abord, il y a une première condition. Si on a travaillé 4 mois pendant la dernière année, on peut prétendre à utiliser son droit individuel à la formation. Ensuite, dès la fin du contrat, le saisonnier peut s'inscrire sur le pôle emploi.fr. Il y avait le plan 500 000 formations qui a été lancé l'année dernière par l'État et qui est toujours accessible. Ce plan 500 000 formations permet de financer des formations en langue, en hôtellerie ou autre, des formations très pratiques, elles sont rémunérées et elles permettent aux salariés de gagner en compétences d'une année sur l'autre et à l'employeur de pouvoir récupérer un salarié qui a gagné en compétences, effectivement. Alors, je suis travailleur saisonnier ou chef d'entreprise. À qui dois-je m'adresser pour avoir des informations complémentaires ? Alors, pour l'employeur, la première interlocuteur, ça peut être le Pôle emploi, équipe entreprise, au 39 95. Les services de l'inspection du travail sont vraiment pointus là-dessus. Sur Ajaccio, c'est le 04 95 24 66 02 ou 03. Sur Bastia, c'est le 04 95 32 98 78 ou 67. Pour le salarié, il y a le fonds GESIF qui gère les CIF CDD et ensuite il y a les OPCA de l'entreprise, ce sont les organismes collecteurs paritaires des fonds formation. Très rapidement, Linda, une info d'actualité qui concerne les ressources humaines pour les patrons des TPE, les très petites entreprises. Conseil RH, c'est son nom, c'est appliqué depuis le début du mois et ça va jusqu'à la fin 2017. Toutes les petites entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit leur secteur d'activité, peuvent rapidement et gratuitement être aidées pour recruter, réorganiser l'entreprise ou trouver une formation. La prestation est mise en place par l'État, elle peut utiliser un consultant très rapidement. Et il faudra s'adresser à la direction du travail, ce sera sur notre site internet. Dans cette émission, nous souhaitons, merci Linda, comprendre aussi comment fonctionne l'entreprise au quotidien. Nous avons décidé de suivre tout au long de cette année des chefs d'entreprise, mais également des créateurs d'entreprise et des jeunes en formation. L'entreprise au quotidien, c'est un feuilleton signé Caroline Ferrer et Stéphane Agostini. Hôtel La Pinède à Ajaccio. Nous rencontrons Jean-Michel Pisano, le directeur. C'est lui que nous suivrons cette année, même s'il n'est pas toujours facile de le talonner. Urgent, urgent. Il a lâché, là. Hein. Là, il s'agit de faire dépanner le moteur de la piscine. C'est au pas de course que le manager contrôle et supervise absolument tout. Moi, je fais beaucoup de choses. Et maintenant, il s'agit de réparer le store. Avant d'éviter de faire venir quelqu'un, parce que les SAV, c'est toujours long, je me suis habitué à me débrouiller tout seul. Sauf que cette fois-ci, il faudra jeter l'éponge. Bon, en fait, je vais faire venir le technicien parce que je ne sais pas l'ouvrir. Avec 38 chambres et un appartement, cet établissement familial atteint presque la capacité hôtelière moyenne dans l'île. Outre les 3 saisonniers du moment, 11 personnes, dont le directeur, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Eva, son assistante, travaille même ici depuis 24 ans. Nous sommes ouverts à l'année, donc on essaie de prendre nos congés avant la fermeture. Et vous fermez quand ? On ferme mi-décembre jusqu'à mi-janvier. Ça nous permet déjà de mettre le personnel en congé et pour nous de faire les travaux nécessaires. Si en décembre, ce sera donc la fermeture pour Jean-Michel Pisano, pour Annie Pirlovici, au contraire, ce devrait être l'ouverture de son épicerie en vrac, ici, en plein centre-ville d'Ajaccio. Nous avons fait un courrier au député maire d'Ajaccio afin qu'il mette en place 2 places 20 minutes et une place allouée aux livraisons. Cette année, nous suivrons l'entrepreneuse dans la concrétisation de son projet. Pour l'heure, il s'agit pour elle de liquider le plus rapidement possible son stock actuel des accessoires de mode. On est quand même sur ce projet depuis plusieurs mois. Là, c'est vrai qu'on a enfin pratiquement terminé le business plan. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué parce que c'est un nouveau commerce, c'est un commerce de vrac. Si la partie ne s'annonce pas encore gagnée pour Annie, pour Thibaut, 21 ans, il faudra aussi déployer des trésors d'énergie pour relever un défi de taille avec l'aide de son formateur. Donc ce que je voudrais, c'est que tu me fasses toutes les valeurs de référence, si possible, de mémoire. Tu te mets en place comme si tu étais en entreprise et tu te sers dans le stock. Cette année, nous nous intéresserons tout particulièrement à ce jeune alternant du CFA d'Ajaccio.
car il a été sélectionné pour disputer les Olympiades des métiers dans sa catégorie technicien du froid, une compétition nationale à laquelle il doit d'ores et déjà se préparer. Vu qu'on en fait pas mal de froid en entreprise, automatiquement après j'ai plusieurs appels qui viennent automatiquement, donc là... À part oui, quelques détails que je revois avec François, mais en général, sinon... On va voir un détail. Là, tu es aux Olympiades. Ouais. Tu perds déjà des points, tu sais pourquoi? Pourquoi? Réfléchis. Tu viens de faire quoi? Tu as mis les manos? Ouais. T'as tiré au vide? Ouais. T'as mis sous pression? Ouais. Qu'est-ce qu'il manque? Ah, ça, sous pression. T'as mis sous pression de fluide? Mais il me demande de prendre hors tension. Enfin, ouais, à l'arrêt. Hors tension, je suis d'accord, mais quand t'as mis les manos, qu'est-ce que t'as oublié? Sécurité. Je sais pas. Les gants. Oh putain. Ah mais bon. Ça va, bon, je les mettrai la prochaine fois. Donc là, on fait un petit rappel de choses qu'il doit connaître. Mais rapidement, il va se retrouver devant une machine qui est complètement démontée. Il va falloir qu'il la remonte complètement. Thibaut disputera les Olympiades avec son ami Nicolas, également sélectionné dans la catégorie plomberie. En novembre, les deux jeunes hommes se rendront à Paris afin d'y être briefés pour les épreuves. On est souvent ensemble, donc voilà, si on est content, on part tous les deux. On part ensemble, à l'hôtel, ils nous ont mis ensemble dans les chambres. Non, c'est après, c'est une expérience à faire. Les mois qui s'égrèneront seront également cruciaux pour le projet d'épicerie en vrac. Aujourd'hui, la nièce et associée d'Annie Pirlovis a un rendez-vous capital à la CAPA, la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Bonjour, Lisa Scarbon. Bonjour, Audrey Pirlovis. Enchantée, enchantée. On va se diriger vers mon bureau. Oui. Car avec presque 200 000 euros d'investissement, toute aide s'avère précieuse. L'objectif aujourd'hui, dégoter un prêt de 40 000 euros à taux zéro. Outre un éventuel accord de deux commissions, la viabilité du projet ne serait pas encore assurée. La dernière étape pour la jeune fille, ce sera que la banque valide le projet avec, à l'intérieur du plan de financement, notre avance remboursable. Puisqu'en fait, c'est lié toujours à l'octroi de l'emprunt bancaire. Des aides, ou plus particulièrement des subventions, c'est aussi ce qu'espère obtenir Jean-Michel Pisano, car il entend réaliser d'importants travaux. Le projet, c'est de remplacer donc les plaques solaires là, contre des nouvelles, puisque le système est ancien. Donc on va essayer de faire les travaux d'ici la fin de l'année. Que ce soit notre entrepreneuse, notre alternant ou encore notre hôtelier, nous verrons bien le mois prochain comment chacun d'entre eux a su gérer ses échéances. Et vous l'avez compris, nous retrouverons donc Annie, Jean-Michel et Thibault tout au long de l'année. Nous ferons également connaissance avec d'autres personnages. Nous voici donc au terme de ce premier numéro d'Économie. Merci à vous. Merci également à celles et ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission. Merci en particulier à Laure Fernandez pour l'infographie et au réalisateur Emmanuel Cardi. On se retrouve le mois prochain à l'occasion du CIAL, le Salon international de l'alimentation de Paris-Villepinte. Nous nous intéresserons à l'agroalimentaire. Quelle production locale pour qu'elle débouche ici et à l'exportation. D'ici là, merci, bonne soirée sur France 3 Corse Via Style.